Salut à tous et à toutes, c'est Max du 15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction sur un clip de Nafra officiel. Alors, Nafra officiel, je ne le connais pas du tout. Il m'a contacté sur Instagram pour que je puisse réagir à un de ses clips ou voir, je pourrais même réagir aux autres. Je ne me suis pas abonné. Je vais m'abonner juste après. Je vais juste réagir avant. Puis, je m'abonnerai pour lui donner de la force parce qu'il a quand même 2080 abonnés. Donc, il faudra lui donner de la force. Si vous kiffez, je vais juger. Dire ce qui est bon ou pas bon. Encore une fois, attention, je le dis à chaque réaction de musique que je fais ou de clip, je ne suis pas professionnel là-dedans. Donc, moi, je vais juste dire ce qui va pas, comme avec LVR. Voilà. Donc, je vais réagir à son clip. Je vais réagir à celui qu'il a sorti il y a 3 mois. Et puis, s'il veut, je pourrai réagir aux autres, bien sûr. Qu'il a sorti, il en a sorti pas mal. Et il se fait quand même pas mal de vues, 26K, 2800 vues. Enfin, il a des bons vues, 10 000 vues. Il a des bonnes stats de vues en termes de ses sons. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, la dernière, elle a fait 2900, quasiment 3 000 vues. Donc, on va tout simplement réagir. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour lui donner de la force, il sera identifié dans le titre. Vous avez juste à cliquer sur son nom et vous allez atterrir sur sa chaîne. Voilà, il sera identifié de toute façon. Allez, c'est parti. On commence tout de suite la réaction. En vrai, ça passe de ouf, hein. Ça passe de ouf. Ça se voit que c'est pro, tu vois. La qualité, elle est là. Il y a tout, il y a tout dessus, il y a tout. Maman, et attendez, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf là, ce qui se passe là. Attends, un diamant brut qui demande à être poli. Monsieur le maire, il faut lui réserver une place sur scène pour la fête de l'andouille. En vrai de vrai, c'est quali, hein. Regardez déjà le plan qu'il fait, les gars. Il fait un plan au drone.
Enfin, du moins le début. Hein. Ça, c'est un plan en drone, ça, direct. Tu vois déjà que la qualité, c'est en 1080p, 60 fps, quoi. Vous imaginez la qualité de ouf? Ça, c'est professionnel, ça. Tu t'imagines qu'il a dû demander déjà l'autorisation pour faire voler un drone? Parce qu'il faut une autorisation de la mairie, de la commune pour faire voler un drone. Tu fais pas voler un drone comme ça quand tu veux en pleine ville, ça c'est pas possible. Et il faut aussi faire la demande du café, enfin du snack, friterie, café, snack. Enfin, tu vois, bar, snack. Donc, il faut l'autorisation aussi du patron, du gérant, de la boîte pour faire ça. C'est vraiment quali, hein. Et en plus, l'instru... L'instru, elle est vraiment top. Les paroles sont tip-top. Il n'y a pas de décalage entre le son et ses lèvres. Regardez un peu ses lèvres. Regardez ses lèvres. Hein. Vous voyez? Tu vois, il fait bien les choses. Il y a pas de... Il est entouré avec des personnes. Ça, je suppose que c'est certainement sa copine ou sa fiancée ou sa femme. Je ne sais pas s'il est marié, je ne sais pas s'il est fiancé. Voilà. Ou alors, si ça tombe, c'est peut-être une amie à lui. Enfin, normalement, ça doit être sa copine. Donc, tu vois, il est entouré avec d'autres personnes. Donc, à mon avis, ça doit être des figurants ou des gens de son entourage aussi. C'est possible, hein, en soi, s'il a du grand entourage, c'est grave possible. Je sais absolument pas si c'est des figurants, je sais pas. J'en sais rien, mais c'est quali à mort. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Je vais m'abonner, mettre directement la cloche parce que c'est banger. Vous voyez, ça, c'est ça, la qualité du clip avec des plans en drone, plus ça, mais ça fait le tout, en fait, ça fait un tout. T'as la qualité du clip, t'es entouré par certainement une production qui gère, forcément, il faut savoir aussi piloter un drone, parce que tu pilotes pas un drone comme un truc télé, enfin, allez, comme... un jouet ou ce que tu veux, enfin tu pilotes pas un drone comme ça, il faut une licence si je dis pas de conneries, et en plus bah, il te faut des cadreurs pour gérer le clip, chose qu'il a, et ça c'est top. Et il doit faire ça avec une caméra, je sais pas c'est quoi sa caméra, mais elle a une qualité de zinzin, c'est un truc de ouf, franchement il gère de ouf. Après j'ai pas écouté ses autres sons, donc je ne sais pas encore juger par rapport aux autres sons, celui-là j'ai bien apprécié par rapport à l'instru, par rapport aux paroles aussi, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui fait que ce soit du rap ou de la musique en soi, de ne pas avoir d'insultes. Là c'est elle m'a piqué Nafra clip officiel, il n'y a pas eu une seule insulte, tu vois, il n'y a pas eu une seule insulte, c'est vraiment banger. Ça fait du bien, ça soulage aux oreilles. Ça soulage aux oreilles et c'est des gens comme lui et il mérite, franchement, il mérite le succès, il mérite vraiment d'aller loin parce que à mon avis, ben, rien que sur sa chaîne, ce n'est que ça, ce n'est que des clips, ce n'est que de la musique, hein. Il y a rien d'autre quoi. Ce n'est que de la musique. Voilà. Après les miniatures, bon, on va pas chouiner sur des miniatures parce que quand vous tapez une musique sur internet, que ce soit n'importe quelle musique, c'est pas des miniatures hyper travaillées, hyper quali comme les vidéastes gaming par exemple. C'est pas ça. C'est des miniatures basiques, simples. Il y a pas à se casser la tête. De toute façon, il se fait quand même la vue parce que regardez, il a quand même sur la miss 10 000 vues quoi. Avec une miniature banale, c'est basique, c'est pas des miniatures de fou, quoi. Donc, il ne faut pas avoir des miniatures de baiser, comme, je vais dire ça comme ça, pour avoir du succès sur des vidéos. 10 000 vues. Voilà, c'est tout. Il y a quoi à dire? 26 000 vues, vous avez vu la miniature? Elle est basique. 26 000 vues. Ce mec fait un succès. 22 000 vues, c'est un truc de ouf. J'écouterai ses autres sons. Je pense que je vais réagir à ses autres sons s'il est d'accord. Et je pense qu'il sera d'accord. Parce qu'il est venu me parler sur Instagram pour me faire la demande. Parce qu'il a appris que je faisais des réactions à des sons. Donc j'ai réagi à son clip, j'ai accepté. Je fais ça par plaisir.
Je ne cherche pas à avoir quelque chose en échange, même si on me propose, voilà, si on me propose, je te fais tel truc, si tu fais ça, si tu as envie, tu le fais, si tu n'es pas obligé de le faire, je réagis par plaisir parce que je kiffe faire ça aussi. C'est quelque chose que je kiffe aussi et quand je peux donner des conseils. Mais là, sur ce clip-là, ce n'est pas son premier kiffé. Après, je sais pas les autres parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas réagi, j'ai pas vu ces autres, je regarderai par rapport. Autre, mais par rapport aux vues, déjà, on voit que rien qu'avec les vues, on voit que c'est peut-être quali. C'est peut-être quelque chose. Déjà, celui-là, c'était un banger. L'instru, le son, bon, voilà, sa voix est utilisée avec de l'autotune, pas trop. Voilà, c'est pas du style où tu vois que c'est robotisé, là, tu vois. T'entends sa voix, mais t'entends que c'est légèrement avec de l'autotune. C'est pas style comme Jul, par exemple, tu vois. Jul, on entend que c'est. 85% de l'autotune, tu vois. Après, je me trompe peut-être dans les pourcentages, hein, mais tu fais la différence entre lui et un mec qui utilise de l'autotune blindé, tu vas voir la différence. Voilà, voilà, y a un juste milieu. Et franchement, je lui souhaite du succès. Voilà, en tout cas, Nafra, tu seras identifié sur le titre. Donc les gens, ils auront juste à cliquer sur ton nom, sur le titre, et ils vont directement tomber sur ta chaîne. Donc, ils pourront s'abonner. Moi, je te dis grosse force. Et si tu veux que je réagisse à tes autres sons, ben, c'est avec plaisir. Et au futur aussi, si tu le désires aussi. Parce qu'il y a 3 mois, donc forcément, tu ne sors pas des sons toutes les semaines ou tous les jours. Ça doit être travaillé. Ça doit être. Voilà, il y a un label derrière. Enfin, un label, il y a un studio derrière qui gère ça. Donc, on voit qu'il est vraiment bien entouré avec la qualité. Avec, voilà. Et moi, je lui donne une grosse force terrible parce qu'il mérite, franchement, avec ce son-là. C'est un banger. Je crois que je l'écouterai. Même hors vidéo, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'abuses. Non, j'aime bien la musique. La musique, elle est stylée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, que ce soit positif ou négatif. Mais si c'est dans le négatif, faites-le avec respect. Parce que de toute façon, si c'est dans le négatif, mais voilà, si c'est dans le négatif, mais que c'est trop pour dire de se moquer. Le commentaire, il disparaîtra parce qu'il faut avoir un minimum de respect. Et si vous voulez aller commenter sur sa vidéo, faites-le, mais avec respect. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de respect, il supprimera le commentaire aussi, je suppose. Ou alors il le laissera parce qu'il s'en fout peut-être. Voilà. Mais moi, je veux que ce soit avec respect et avoir voilà, c'est comme avec LVR, il faut être objectif. Il faut être objectif. Voilà. Simple. Si, quand on peut aider quelqu'un à améliorer, il faut l'aider. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, parce qu'à mon avis, elle dure moins de 10 minutes, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à aller lui donner de la force terrible, parce qu'il mérite vraiment son son là, d'il y a 3 mois. Une pépite, les autres, je réagirai dessus. Mais je vais faire ça petit à petit. Je vais pas vous baratiner avec plein de trucs. Je vais faire une par une pour bien analyser, pour bien. Comme je fais à chaque fois, vous savez bien, je ne fais pas plusieurs réels, j'en fais qu'une. Comme ça, je sais bien, voilà, bien analyser, bien observer aussi et dire ce que j'en pense. Mais celui-là, j'ai kiffé, c'est un gros banger. GG à toi d'ailleurs, Nafra. Et continue sur cette voie. Franchement, je te souhaite que le meilleur dans ton aventure dans la musique. Et j'espère que tu iras loin. Et j'espère qu'un jour, tu finiras sur scène, même dans des petits événements. Ça peut toujours être cool, dans un petit événement de village ou un événement comme ça. Ça peut, voilà, ça peut être cool. Enfin bref, ciao tout le monde, c'était Max15. N'hésitez pas à lui donner de la force, à lui, à Nafra. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous dis ciao, ciao tout le monde, c'était Max15. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain pour un live sur BO6 et un petit changement de programme par rapport au jeu d'horreur. Le mode zombie, on essaiera en live. On l'a testé de notre côté, il fait pas hyper peur non plus. Mais voilà, on vous fera un live sur BO6. Mardi, donc demain et jeudi. Donc voilà, et de toute façon, les live horreurs, ça viendra aussi bientôt. Ciao tout le monde, c'était Max The Cast. Ciao, ciao.